ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الخالق اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ولا آله وأصحابه أجمعين يقول سبحانه تبارك وتعالى في موكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفر مسلمان encore une fois de plus après avoir loué Allah tabarak wa ta'ala nous le remercions d'avoir nous regroupé en ce lieu béni ce lieu qui n'est que la maison d'Allah tabarak wa ta'ala Alhamdulillah nous venons d'achever la prière de Maghrib et ensuite Allah nous a facilité les tâches d'être ici présent avec la bonne patience. Qu'Allah nous facilite. Dans ce chapitre, Sourate Al-Kahf, la fois passée, on s'est limité sur les deux personnes. Les deux personnes qui se sont associées. Et après l'association, ils se sont séparés après qu'ils ont eu un grand bénéfice. Donc, nous avons dit, le croyant s'appelle Tamlik et le mécréant s'appelle Fautis. Donc, on a expliqué leur cas que Tamlik, qui est le croyant, lui, d'abord commençons par ce kafre. Le kafre, il a investi dans l'agriculture, dans le commerce. Et Allah lui a facilité la grande richesse, une grande fortune. Mais le croyant, lui, il a pris son argent dans les 3000 dinars. Il a pris 1000 dinars, il a payé les esclaves et il les a libérés. Il a encore pris un autre 1000 dinars, il a payé les habits, il a donné aux pauvres. Il a encore pris un autre 1000 dinars. Il a payé la nourriture, toujours, il a donné fils à Bilillah, aux pauvres. Suite de quoi il est devenu pauvre, il n'avait plus rien. C'est comme ça qu'il est revenu chez son ex-associé pour lui demander le travail. Et avant de venir, il avait voulu aller ailleurs, mais il s'est dit que non, au lieu que je pars ailleurs chez quelqu'un d'autre, pour être humilié peut-être, donc, vaut mieux de revenir vers mon ex-associé. Il connaît déjà ma valeur. C'est alors que quand il est venu lui dire, je suis venu te demander le travail comme un salarié. Alors, son ex-associé dit, mais comment? On a partagé notre argent. Tu as eu 3000 dinars, j'ai eu 3000 dinars. Tu as fait quoi avec ton argent? Il a dit, moi j'ai payé les marchandises d'Allah. Et celui qui paye les marchandises d'Allah, il aura véritablement un grand bénéfice dans l'avenir auprès d'Allah. Il a dit, ah bon, tu as pris ton argent, tu as payé les marchandises d'Allah et tu espères, le Yom El-Kiyam, que tu auras le bonheur là-bas. Donc si on cherche le plus bête, c'est toi, vas-y, je ne te donne pas le travail. Non seulement il a humilié son ex-associé, voilà comment encore, un jour il part dans son champ, comme Allah va nous dire ici. وَدَهَلَ جَنَّتَهُ Un jour il entra dans son champ. وَهُوَ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ Faisant du tort à lui-même. قَالَ مَا أَزُنَّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا Il dit, le champ là, je ne pense pas que ceci puisse périr. Il a dit, je ne pense pas que mon champ va finir un jour. وَمَا أَزُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً Et il dit encore, même l'heure de Yawm al-Qiyamah, ça n'existe pas.
Il ne pense pas que le royaume Melkiyama existe. À cause de la grande richesse que Dieu lui a donnée. Même les riches de nos jours sont embrouillés pareil. Mais pas eux tous. Les riches qui en sont les croyants, un, eux ils savent qu'Allah existe. Deux, ils sont soumis à Allah. Trois, ils savent que ce qui est dans leur main comme richesse, c'est Dieu qui a donné. Quatre, ils savent que d'un moment à l'autre, Allah est capable de prendre ça. Cinq, ils savent qu'ils vont mourir. Six, ils savent qu'il y a le jugement. Naam. Sept, ils savent qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Donc à cause de ça, eux, ils prêtent très très attention dans ce qu'ils font. Naam. Mais le kafir qui ne connaît pas la ilaha illallah, comme celui-là, il croit que dunya même, c'est lui, ça lui appartient. Voilà pourquoi il dit « Wama azun sa'atu qa'ima ». Je ne pense même pas que le Yom al-Kiyama se tiendra. Et il dit encore dans son orgueil, dans son arrogance, « Wala irudidat ila rabbi la ajidanna khayra minha munqalaba ». Il dit « Non, même si on me ramène, même si on me ramène vers Dieu, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce genre. » Donc toujours, ils se voient comme Allah les a donné dunya ici, ils vont encore avoir le Yom al-Kiyama facile, sans adorer Allah tabarak wa ta'ala. Or que c'est une erreur. C'est dans ce sens que nous disons, la pauvreté c'est une épreuve. La richesse aussi c'est une épreuve. Si Allah te donne la richesse, c'est pas parce que Allah t'a aimé par rapport à ce dont Allah a laissé dans la pauvreté, n'est-ce pas? La richesse, si Allah t'a donné, c'est pour voir ton attitude, ton habitude. Est-ce que tu seras reconnaissant ou bien tu vas être méconnaissant? Est-ce que tu seras arrogant? Est-ce que tu seras orgueilleux ou bien tu seras humble? Et maintenant, si Allah te laisse dans la pauvreté, Allah veut voir est-ce que tu seras patient. C'est tout. C'est-à-dire, est-ce que tu seras patient pour adorer Allah? Comme là où nous sommes. Les maisons que les gens ont aujourd'hui à Pointe-Noire, ça nous fait plaisir. Leurs voitures dans lesquelles ils dorment, ils circulent, ça nous fait plaisir. Leurs chambres, leurs salons, ça nous fait plaisir. Leur nourriture, la qualité de nourriture qu'ils mangent, les femmes qu'ils ont mariées, ça nous fait plaisir. Mais est-ce qu'on va être patient au manquement de cela ou bien on va toujours mettre les deux bras sur la tête, on pleure jusqu'à ce que même pour venir prier à la mosquée, tu n'arrives pas. Pour faire les carême lundi, jeudi, tu ne peux pas. Pour faire les soirs quand même, tu ne peux pas. Il y a des gens qui attendent que c'est le jour qui va devenir quelqu'un qui a 500 millions, c'est en ce moment qu'il va donner les soirs. Non. Si tu attends d'avoir 500 millions avant de donner le sadaqa, du moment où déjà Allah t'a donné, tu as 20 000, tu as 15 000, tu as 10 000, tu as 8 000 tantôt tu as 5 000, enlève quelque chose dedans, tu donnes le sadaqa. Puisque « Kullu nafsin bima kasabat rahina », chaque âme verra ce qu'elle a œuvré. Donc il se peut que le peu que tu donnes là, tu seras au même pied égal avec ceux qui ont donné beaucoup. C'est-à-dire, à travers ça, c'est en fonction de ton niya. Si tu avais beaucoup, peut-être tu allais faire comme ceux qui ont beaucoup le font, n'est-ce pas? Donc Allah peut te récompenser pareil comme les autres, qu'Allah nous facilite. Qala lahu sahibuhu, son compagnon le dit, wa huwa yuhawiruhu, avec qui il conversait, ah kafarta billadhi khalaqaka min turab, seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre? Ça c'est le musulman qui dit ça au kafir. Mais tu vas être mécréant envers Allah qui t'a créé de terre? Summa min nutfatin. Ensuite, il t'a créé d'une goutte de sperme. Naam. Parce que Adam alayhi salatu wa salam, c'est lui la source de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes tirés des reins de Adam alayhi salatu wa salam et du ventre de Ève. Nana Hawa. Donc, eux, Adam a été créé de l'argile. N'est-ce pas? Et Ève a été créée de ses côtes. Et maintenant, lui et Ève nous ont engendrés à travers le sperme. C'est ça qu'Allah parle ici que. Ah, kafarta billadhi khalaqaka min turab. Seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre? Summa min nutfa. Ensuite, de la terre, il t'a créé d'une goutte de sperme. Summa sawaka rajula. Ensuite, maintenant, il t'a façonné un homme. Naam. C'est-à-dire, summa sawaka rajula. Allah t'a façonné comme il se doit. Quand tu regardes le pied de l'homme, elles sont positionnées là où il faut. Les bras sont positionnés là où il faut. Imagine les pieds sont un ici,
vers la tête, côté droit, un vers le gauche. Et maintenant, les bras sont sur tes fronts. Est-ce que tu seras beau? Takbir, Jama. C'est ça qu'il parle ici. Summa sawa karajula. Il t'a façonné, c'est-à-dire, il t'a harmonieusement créé. C'est tout comme si quelque part dit, Ya ayuhal insan, ma gorraka birabi kalkarim, allazi khalakaka, fasawaka fa'adalak. Fi ayi surat ma sha'a arakabak. Kalla bal tukazibuna bidin, wa inna alaykum kiraman ya'alamoun jama takbir. Bon, tu as vu, aujourd'hui on remercie Allah. Les gens comprennent vite. Avant, on n'a pas eu ça. Voilà pourquoi les gens, nos grands-papas, sont dormis dans les maulouds. Parce qu'on ne leur expliquait rien. Mais aujourd'hui, le Coran est expliqué de Bakara jusqu'à Nas. Les hadiths sont expliqués. Les livres de fiqh sont expliqués, sauf celui qui ne veut pas la vérité. C'est ça. Ouais, mais partout on explique. Même en Lingala, les gens prêchent. Regarde combien de Zaïrois, de Congolais qui sont partis apprendre au Soudan, en Égypte, en Arabie Saoudite, qui sont revenus, qui sont en train de prêcher en langue Lingala pour convertir les autres. Toi, tu fais quoi pour l'islam? Wallahi, ne fils que laver les bouillards. Wallahi, mon frère, viens faire. Parce que le temps est en train de partir. Sinon, tu vas regretter dans la tombe. Les gens qui lavent les bouillards que tu te moques d'eux là, les gens qui balaient la mosquée, les gens qui balaient là, on fait l'ablution. Il y a des gens... Savoir où ils sont payés ou pas, en tout cas, leur résultat, c'est-à-dire leur récompense n'incombe qu'à Allah. Il y a Dieu seul qui sait ce que Dieu les a réservé. Donc ne tarde pas. Le temps presse. On ne sait pas, il nous reste combien de jours, combien de minutes, combien de mois, combien de semaines pour entrer dans la tombe. Qu'Allah nous facilite. Donc, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. Tu as vu le croyant lui dit moi quant à moi tamlik لكن هو الله ربي. Moi c'est Allah qui est mon Dieu. Tu as vu aujourd'hui on a des gens qui partent déposer les choses au carrefour. Pourquoi ils déposent les choses au carrefour? C'est ce qu'on lui a dit que si tu déposes ton sadaqa au carrefour, c'est en ce moment-là que ton sadaqa-là sera exaucé. C'est en ce moment que tu auras tes problèmes résolus. Or que, automatiquement, c'est à Allah que tu devrais demander. N'est-ce pas? Donc le Coran dit, « Lakinahu Allahu Rabbi, wala ushrik bi Rabbi ahada. » Je ne vais jamais, jamais associer Dieu avec quoi que ce soit. Donc mon frère, je te parle avec toute rigueur, avec toute sincérité, avec toute énergie. Le cabri noir que Marabouta dit d'aller égorger là, ou bien d'aller faire le sadaka avec là, fais le tawbat al-nasuha. Le chien blanc, même une seule partie, il n'y a pas quelque chose de noir sur le chien là, que tu as enterré vivant, fais le tawbat al-nasuha. La canarie que tu as plantée au milieu de votre maison, que tu dis que ça là, il y avait un ancien canari, quand tu as trouvé ton grand-père, mais elle est cassée, vous avez remplacé un autre, vous faites des rituels là-dessus chaque année, fais le tawbatan nasuha. Voilà le croyant dit, voilà, ushrik birabi ahada. Je ne vais jamais associer Dieu avec quoi que ce soit. Donc l'associateur n'a pas la chance. Innahu man yushrik billah. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةً. Quiconque associe Allah avec quoi que ce soit, le paradis est fermement interdit pour lui, même si c'est la Kaaba que tu pries. Parce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas affaire de blague. Même si tu pries à la Kaaba, même si tu pries dans la mosquée de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment autour de la tombe du prophète et Seyyidina Abu Bakr, dans la mosquée de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment on a mis les gardes fous pour surveiller la tombe. Pourquoi? À cause des gens qui vont amener quoi? Le désordre. Tu crois que si on allait laisser là-bas la libre, les gens ne vont pas chercher à déterrer le prophète? Tellement ils croient aux faux trucs qu'Allah nous en préserve. Walaula izdahal tajannatak. Pourquoi quand tu es rentré dans ton champ? Non. Walaula izdahal tajannatak.
Pourquoi quand tu es rentré, tu as vu ce que le frère a fait? Il a contribué pour l'islam. Le micro était haut. Peut-être vous êtes ici, vous ne me comprenez pas. Mais lui, il a suivi que non, il faut que ça soit bas pour vous permettre à comprendre ce que je suis en train de dire mot par mot. Il a contribué. S'il ne l'a pas fait, moi je ne savais pas. Donc tout ce qui est attrait à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse pas qu'on te laisse derrière. Fais ce que tu peux faire pour l'islam. Wallahi l'azim. Wallahi. Il y a dans certains, wallahi, les gens qui ont fait le hajj, qui connaissent bien la Mecque, ils ont dit à la Kaaba, la majorité des milliardaires, eux, ils cherchent même qu'on leur facilite pour balayer à la Kaaba. Puisqu'il y a des employeurs spéciaux pour ça, qui sont payés, qui sont logés, qui vivent bien à cause de cela. C'est, eux, ils ne blaguent pas. L'Arabie Saoudite ne blague pas. Mais eux, ils ne trouvent pas ça. Oh, donc, toi qui as la facilité ici de faire quelque chose dans la mosquée, wallahi bismillah. Wallahi bismillah. Il y a des gens, qu'on les considère des malheureux ici, ils n'ont aucun respect devant les gens parce qu'ils n'ont pas les choses de dunya. Mais Yom al-Kiyama, c'est eux les premiers ministres, Inch'Allah. Qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Donc, voilà où la izdahal tajannatak. Pourquoi en entrant dans ton jardin? Ça, c'est le croyant qui prêche aux mécréants. Que pourquoi quand tu es rentré dans ton champ, Kulta Masha Allah, tu devrais dire, telle est la volonté d'Allah. Tu devrais dire que le champ là que j'ai gagné, c'est une volonté d'Allah. C'est un rahmat d'Allah. C'est un bienfait d'Allah. Tu dois remercier Allah. Tu dois te reconnaître. C'est comme nos frères qui ont construit des immeubles à Pointe Noire là, par-ci, par-là. S'ils ne remercient pas Allah, ils vont faire du tort à eux-mêmes. Remercier Allah ici, c'est quoi? Fais en sorte que les pauvres trouvent les chambres à dormir. Oui, du moment où tu as déjà un étage, deux étages, trois étages, quatre, regarde les buildings, six étages, il a comme ça, il a plus de six, cinq, huit, neuf, dix. Combien de musulmans que tu as mis dedans, fils Abilifa? Combien des imams? Combien des musains? Combien de femmes pauvres? Regarde comment les gens viennent, fils Abilifa, malheureux. De quoi même manger, de nourrir, il n'y a pas. Et les gens sont en train d'amasser l'argent, amasser. Et un jour seulement, ils meurent, ils laissent. Ils sont en train de regrouper ce qu'ils ne vont pas manger. Si ton argent atteint déjà 1 milliard, tu vas finir ça quand? Allahu Akbar. Donc, pourquoi quand tu es rentré dans ton champ, tu devrais dire telle est la volonté d'Allah? La quwata illa billah, il n'y a pas, tu as vu, la quwata illa, il n'y a de puissance que par Allah. C'est-à-dire, il ne faut pas voir, tu as plein de maisons, tu as plein de bateaux, tu as plein d'avions. Regarde Abiola, à la fin de 20, il est mourir où? C'est pas dans la prison. Hein? Oui! C'est pas dans la prison qu'il est mort. Mais pourtant, c'est un grand milliardaire. Même les Blancs, avant de lui appeler son nom, il dit le milliardaire Massoud Abiola. C'est comme ça qu'il lui appelle. En France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Russie, en Australie, partout, il a des sociétés. Lui ne connaît même pas le nombre de ses maisons. Lui-même ne connaît pas le nombre de ses camions. Il ne connaît pas ça. Lui compte sur les sociétés. Mais il a fait, il est mort en prison. Pourquoi? Parce qu'il a voulu maintenant être président. Parce que tout ce que Allah va te donner, si tu ne dis, wallahi, si tu ne dis pas alhamdulillah, tout ce que Dieu te donne, tu finiras malheureux. Quel qu'en soit ce que tu es. Allah n'a pas dit, wa man a'rada an zikri fa inna lahu. Alors, Allah a dit, toi, c'est l'argent que je vais te donner. L'autre, c'est le pouvoir que je vais lui donner. Tout est mulka mimman. Même le pouvoir, Allah dit, c'est moi qui donne à qui je veux. Alors, donc, si Allah dit que toi, c'est du côté, c'est comme les prêches que nous faisons là. Si tu n'es pas reconnaissant envers ça là qu'Allah t'a donné, voilà, tu vas balayer la route en pleine journée. Allah a dit que toi, tu es mon serviteur, ce que je vais te donner, c'est la science du Coran pour que tu propages. D'abord même, quel bonheur qui dépasse, toi tu as si tu expliques la parole d'Allah aux gens. Quel bonheur! Quel bonheur, quelle richesse qui peut encore rivaliser ceci?
Wallah, sauf celui qui n'a pas la tête. Les gens nous voient malheureux, mais nous, on les regarde seulement. Ah oui! Tu ne peux pas avoir le Coran, tu es sincère, et puis encore, tu vas être malheureux. Jamais! Sauf si tu n'es pas sincère. Wallahi l'azim. Qu'Allah nous facilite. Donc, donc, il n'y a pas de puissance que par Allah. Tu as vu? Mon frère, si tu as la santé, remercie Allah avec ta santé. Ne prends pas ta santé pour dire que tu as vu mes muscles. Si je te donne coup de poing, tu vas rouler au sol. Ne prends pas ton argent pour influencer les gens, pour désobéir, pour prendre les belles femmes, tu amènes dans les hôtels. Ne prends pas ton pouvoir. Aujourd'hui, on a les jeunes qui a 32 ans, il est ministre, ou bien il est gouverneur, ou bien il est colonel, ou bien il est piloteur d'avion. Tout ça là, prends ça pour mettre dans la voie de là, il a. Hein? Parce que quoi? À cause de quoi? La kouwata illa. Ce que tu as là, si tu fais l'arrogance, l'orgueil, tu manipules les pauvres, tu ne les respectes pas, tu es orgueilleux, tu n'adores, tu ne pries pas, tu ne fais pas le sujet, tu ne fais pas le... Allah peut en un clin d'œil, il prend ça et tu deviens malheureux. Il est capable ou il n'est pas capable. Allah a dit dans le Coran, « Wa huwa ala kulli shay'in qadir. » J'ai le pouvoir sur tout. Hein? Aujourd'hui, Blaise, il est où? Hein? Quelqu'un qui était président dit, même mon pays dit, il n'est même plus Burkina Faso. Donc, crains Allah, la puissance est dans les mains d'Allah. C'est Allah qui gère. Walillahi al-mulku samawat wal-ard. C'est Allah qui gère le pouvoir des cieux et la terre. Non. Donc, plaçons notre confiance en Allah. Demandons à Allah. Cherchez le bien-être de ce bas monde auprès d'Allah. Il te dit que la quwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Tu as vu ce que le croyant le dit? Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Oh, il dit, là où tu me vois là, si tu me vois moins pourvu que toi en bien, na'am, et en wa walada, et en enfant, il dit fa asa rabbi an yutiyani khayra min jannati. Il se peut. C'est-à-dire il est en train de lui dire que intarani ana aqalla minka malan wa walada. Si tu me vois moins dépourvu par rapport à toi, en bien et en enfant. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, si tu as vu que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent comme toi, je n'ai pas beaucoup, parce qu'il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas gros français, on n'est pas ici dans les universités. C'est-à-dire, il est en train de lui dire que si tu vois que toi, tu es riche en argent et que moi, je suis pauvre, tu as beaucoup d'enfants et que moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants, donc dans ce cas, fa'asa rabbi an yutiyani khayra min jannatika. Il dit, wallahi, il se peut que Dieu me donne dans ce bas monde meilleur que ton champ. C'est comme si toi, tu dis à quelqu'un de ton village que tu as construit 5 étages à Pointe-Noire, non? À cause de ça que tu m'appelles malheureux, non? Bon, Allah est capable de me donner meilleur que tous tes 5 étages. Allah est capable. Voilà. Donc, c'est ça que Tamlik est en train de dire à ce kafir, Fautis. Donc, si quelqu'un tape la poitrine devant toi, parce qu'il a les camions, parce qu'il a les grands semi-remorques, parce qu'il a beaucoup de maisons, toi seulement, il faut prier qui? Il faut prier Allah. Il se peut que demain, c'est lui. J'ai vu un Tchadien au Gabon qui me dit, ils sont à deux quand ils sont arrivés du Tchad au Gabon. Et ils sont partis chez un frère pour chercher le travail. Bon, l'autre est costaud, bien bu. Mais lui qui me parle, lui, il est mince et bien et court. Et ils sont partis chez leur frère pour chercher le... Lui, il est riche, il a un grand magasin. Et quand il a vu le costaud comme celui-là, il dit, bon, voilà un homme. Voilà un homme. Toi, mashallah, tu es déjà embauché. Mais toi, un comme toi, là, comme ça, là... Toi, tu vas encore quitter depuis Tchad pour venir, pour dire que tu es venu chercher le travail. Qui va t'embaucher? Qui va te prendre? Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y! Et puis l'homme-là, c'est un connaisseur du Coran. Je vous jure. Il s'appelle Isaac, il connaît le Coran. Il a la science. Et il a dit, vas-y! Il est parti. Il a embauché l'autre. Et lui, il est parti ailleurs, il a cherché ailleurs, on lui a pris.
jusqu'à ce que, au fur et à mesure, cet homme-là que Dieu vous prie, il est devenu riche. Celui qu'on a chassé là, Allah lui a enrichi au Gabon. Et celui-là qui lui avait chassé là, il est devenu encore devant auprès de lui, cherche le travail. Takbir. Donc, mon frère, ne sois pas arrogant. Ne sois pas orgueilleux. Wallahi, le bonheur, c'est dans les mains d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Naam. Donc, c'est ça qu'il lui dit. Fa'asa rabbi an yutiyani khayra min jannati. Il se peut que Dieu est capable de me donner meilleur que ton champ. Naam. Et il lui dit encore, Allah est capable de faire quoi? Wa yursila alayha husbana. Allah est capable d'envoyer sur ton champ une calamité, c'est-à-dire un danger pour détruire le champ. Mais cette calamité-là viendra d'où? Minas samaï. Allah est capable de la porter du ciel. Takbir. Voilà. Naam. Fatusbiha sa'idan zalaka. Et si Allah apporte une calamité du ciel sur ton champ, fatusbiha sa'idan zalaka, alors son sol deviendra un sol glissant. Parce que c'est un champ de fruits. Maintenant, quand Allah va brûler ça, maintenant, ça deviendra en liquide sur les herbes, etc. Et quand tu vas mettre le pied, ça va te glisser toi-même. Ça, ce bonheur risque encore de t'apporter le malheur. C'est comme quelqu'un qui va payer une belle voiture et puis faire le gros dogundagund. La même voiture peut te casser les pieds, vrai ou faux? La même voiture peut te casser les reins, vrai ou faux? La même voiture peut te casser les bras. Maintenant, celui dont tu te moquais de lui, lui, il a les pieds, il a les bras, il a le cou, il a tout. Maintenant, toi, tu n'as plus ça. Toi, avec lui, maintenant, qui est meilleur? Takbir. Alors, il continue toujours à lui dire, « Ou yusbiha ma'uha gawra. » Ou bien si Allah veut, il fait disparaître son eau. L'eau par laquelle, parce qu'on a déjà vu le verset dans lequel qui parle que Allah lui a donné des, c'est-à-dire une rivière qui circule dans le champ pour arroser les plantes. Donc maintenant le croyant le dit, Allah est capable, « Ou yusbiha ma'uha gawra. » Allah est capable, encore une fois de plus, de faire disparaître la rivière. La rivière qui arrose ton champ là, Allah est capable de la faire disparaître. Et si Dieu la fait disparaître, falan tastati lahu talaba. Tu ne pourras plus retrouver ton champ. C'est fini? Non. Parce que c'est l'eau qui arrose le champ. Maintenant, si Allah attrape la pluie du ciel et la rivière qui circule pour arroser, le champ va encore prospérer? Jamais. C'est fini. Le champ deviendra sec. Il a dit ça seulement, il a fini. Regardez ce qui s'est passé sur celui-là, le riche. L'autre a fini les prêches. C'est comme ça que son champ fut détruit sur place. Tu as vu ce qu'on disait? Sa récolte fut détruite sur place. Et maintenant, voilà, il se mit à tordre les deux mains, comme ça. Je suis perdant, malheur à moi, malheur à moi. Tu as vu, quand quelqu'un est en danger, tu vas lui voir, il prend les deux mains là, il se tord les deux mains, c'est-à-dire, il frotte les mains, il appuie, il parle, il crie, il tombe. C'est ça qu'Allah parle ici. Donc, ne ris pas contre quelqu'un. Ne vois pas quelqu'un comme si lui, c'est fini pour lui. Non. Voilà maintenant, tout est renversé. Le riche est devenu pauvre. Et le pauvre est devenu riche. Qu'Allah nous facilite. Donc, fa'aswa yukollibu kafei, il se mit à tordre les deux mains, alama amfaka fiha, à cause des dépenses qu'il a faites dans son champ. Tu as vu, il regrette maintenant ce qu'il a dépensé dans le champ et dans l'ensemble, le champ qu'il a perdu. Naam. Wa hiya hawiyatun ala urushia. Cependant que cette treille était complètement ravagée. Les treilles, c'est comme par exemple le. C'est-à-dire, vous voyez, on peut dire les treilles du mil, les treilles du maïs, c'est les tiges là. Quand c'est debout, c'est ce qu'on appelle les treilles. Bon, maintenant, il dit ici que Wahia Hawiyatun ala Urusha, les treilles sont complètement ravagées, tombées. Mais un champ de maïs qu'Allah a fait tomber, est-ce que tu peux encore redresser ça? Même si c'est un caterpillar qui est venu faire tomber ça, et il a marché là-dessus. Quel cultivateur qui peut encore redresser ça de nous? À plus forte raison, c'est Allah. Allah a ravagé ça complètement, les traits de son champ. Naam. Wayakoul. Tu as vu? C'est en ce moment, Wayakoul. C'est en ce moment qu'il dit, Ya Laitani, malheur à moi, l'homme ushirk bi rabbi
ahada. J'ai souhaité n'avoir associé personne à Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est maintenant qu'il regrette son association. À cause de ça, Jama, comprenons que l'association, ce n'est pas gris-gris seulement. Hein. Ce n'est pas marabout seulement. Oh. Ce n'est pas celui qui a tué le chat noir seulement. Hein. Ce n'est pas celui aussi qui a le cochon. Il prend l'aiguille, il pique le cochon vivant jusqu'à elle meurt. Il y a des gens qui font ça. Les marabouts leur disent de faire ça. Et puis, en matière de shirk, tout est permis chez eux. Que Dieu nous en préserve. Bon, vous ne me comprenez pas, vous allez me comprendre. Quand je dis en matière de shirk, parce que quand je dis, c'est pas celui qui prend l'aiguille, il pique le cochon jusqu'à elle va mourir. Ça va vous étonner. Les clubs du football, là, les équipes du football, ils font ça. Les équipes nationales, les grands clubs, etc. Là, ils font ça. C'est pas un seulement, même celui qui cherche l'argent. Si le marabout lui dit de faire ça, il va faire ça. Il s'en fout. Celui déjà qui pratique l'association, il n'a pas la foi. Je vais vous donner un exemple. Quand je vous dis tout est possible lorsqu'il s'agit de l'association, Afrique de l'Ouest, ça ne fait pas encore un an. Écoutez bien, une femme qui aime beaucoup les marabouts, elle est partie chez le marabout pour que le marabout fasse les choses pour qu'elle devienne riche, pour qu'on entende son nom partout. Le marabout a dit, mais ça c'est simple. Le travail que je vais faire en premier lieu, cherche la hache correcte, neuf. Tu tombes sur la tête de ton mari, tu le tues. Quand tu vas lui tuer fini, tu la déchiquettes avec la hache, la morceau, tu mets dans le sac, tu fermes. Notre rivière de notre village, tu pars jeter dedans. Là, tu reviens, on va faire le travail. Maintenant, on va entendre ton nom partout. Elle a tué son mari. Et puis son mari, là encore, ils sont en famille. Hein, et puis ils ont les enfants. Regardez combien de fois le shirk est dangereux. Quand vous dites éviter les marabouts, évitez la... Vous dites, vous... Continuez. Si tu veux, s'il faut meurtre avec les gris-gris, tant pis pour toi. Moi, je ne serai jamais avec toi dans ta tombe. Tu seras seul. Allah dit, wa kulluhum atihi farda. Sourate al-Maryam. Tout le monde viendra seul vers Allah. Donc, dans ta tombe, moi, je ne serai pas là-bas. Donc, vaut mieux dès ici que je te oriente. Et puis, nous, quand vous dites... Évitez les marabouts, évitez les gris-gris, évitez l'association, évitez le ganga, évitez d'appeler le nom de Wali, évitez d'appeler le nom de chef. Et maintenant, on te dit, il faut appeler qui? Allah! Où est notre mal? Tout le temps, les Wahhabias te disent, ne m'appelle pas, n'appelle pas mon père, n'appelle pas mon oncle, n'appelle pas mon grand-père, n'appelle pas mon marabout. Appelle Allah! Est-ce que c'est ça qui est mal? Hein? Depuis que nous prêchons là, c'est qui qu'on lui a dit que tant d'argent de pointe noire là, amène, on divise trois parties. Dieu prend moitié, mon oustad qui m'a enseigné prend moitié, le reste tu prends. C'est à qui qu'on a dit ça? Mais ce qu'on dit aux gens à pointe noire, c'est de croire en la ilaha, placer confiance en Allah. C'est ce que nous disons depuis que nous sommes là. Bon, si tu dis, tu ne comprends pas. Parce qu'on parle, ils ne comprennent pas. Mais si son marabout parle, on lui parle de maraboutage. Comment il va aller prendre cola noir, cola rouge, cola blanc, le chat blanc, cabri noir pour mélanger, piler dans le pilon pour manger dans le shirk, là il comprend clair. Mais on explique le Coran A plus B, il dit il ne comprend pas. Il ne faut pas comprendre. Mais il n'aura pas la belle mursal. Ton Seigneur demeure aux aguets. Allah il t'attend. Tu vas passer par Allah dit malahum min maïs. Toi qui prêches, fais seulement tes prêches, mais malahum min maïs, ils ne peuvent pas nous échapper. Pharaon, il a échappé à Allah. Namrouz, il a échappé à Allah. Korun, il a échappé à Allah. Wallah, les savants du Korun. Tous les jours, Korun descend au plus sous-sol jusqu'à Yom El-Kiyam. Donc, mon frère. Et puis, il ne faut pas dire que l'oustaz, il parle sur le shirk trop là, mais moi, je ne suis pas dedans. Oui, d'accord. Mais dans nos familles, il y en a ou il n'y en a pas. Donc, si tu écoutes ici, toi, tu es propre là. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, Wallah, l'oustaz,
Allah, il m'a dit, il dit, tout est prêche. Dès qu'on finit seulement, je prends mon portable, je dépose mes femmes, mes enfants, tous, ils vont écouter toutes les nuits avant qu'ils vont dormir. Regarde les gens qui ont compris leur religion. Il y a aussi quelqu'un aussi m'a dit ça pareil à Brazzaville, un Congolais. Mais celui-là dont je te parle, c'est un Mauritanien. Ici même, après, il dit, tous les prêches que tu fais là, tant que je suis là-bas, j'enregistre. Si je repars à la maison, mes femmes, mes enfants, tous, je les réunisse. Il n'y a plus à faire de télévision. Ils vont écouter attentivement et ils sont encore attirés. Et il a dit, ils sont attentifs. Est-ce que toi, tu ne sais pas que Yom El Kiyama, le sujet de ta femme et tes enfants, Allah va te demander. Tu crois qu'Allah t'a demandé la femme pour être avec elle, à cohabiter sur le lit, boum, après c'est le ventre qui est gonflé, après c'est l'enfant qui vient, deuxième année encore, boum, le ventre gonflé, l'enfant vient, après quatrième année, cinquième, le ventre gonflé, boum, l'enfant, et puis c'est fini. Non. Kullukum ra'in wa kullukum. Alors, takbir. Soyons des gens veillés. Ne soyons pas des gens qui sont aux physionomies veillées, mais entre-temps, mentalement, nous sommes dans le sommeil profond. Tout à l'heure, il y a un frère qui me dit, Oussad, là où tu me vois, dans notre pays, il y a des gens qui ont prié jusqu'à ils sont devenus vieux et vieilles, même Fatia, ils ne connaissent pas l'île. Un frère, on a causé avec lui tout à l'heure ici. Mais ça c'est des gens vivants, mais en réalité, ce sont des cadavres. Hein? Mais ils attendent quoi? Hein? Ils attendent quoi? Regarde, votre ville là, hein, elle est bénie. Non, regarde. Les mosquées que j'ai circulées là. Ah, moi, je connais bien le Gabon. Je n'ai jamais vu ce que je vois ici. Là. Quand vous êtes bien ici, après, les imams, tous les mosquées que j'ai circulées pour prêcher, avant 3 jours des prêches ou 2 jours, c'est les imams eux-mêmes qui vont t'appeler. Que, ah, c'est toi, Kassim, oui. Bon, on te rappelle, hein, tu as le rendez-vous avec nous tel jour. Est-ce que réellement, tu vas venir? Parce que si réellement, tu ne vas pas venir, nous, on va mettre quelqu'un à ta... Allah, Jamal Takbir. Au Gabon, non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour vous dire quoi? Vos imams sont, c'est-à-dire, attentifs à votre sort. Bon, maintenant, ça, c'est au niveau des prêches. Dans les mosquées ici à Pointe-Noire, la majorité des mosquées, la séance d'apprendre la science est organisée dans plusieurs mosquées de Sunna. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Takbir. Bon, mon frère, regarde toute cette chance-là qu'on t'a donnée, les ulama, Alpha t'ont donné, les Kramoko. Regarde toute cette chance-là. Tu as pris toute cette chance-là, tu as mis à la poubelle tous les temps, l'argent. Et l'argent là-même, tu ne gagnes même pas. Tu es dans le soleil, du matin jusqu'au coucher du soleil. Tu ne gagnes pas l'argent, ta religion aussi, tu n'apprends pas. Oh, maintenant, tu as tombé ou bien tu es debout? Tu es tombé? Hein? Djama, hey! Faisons attention. Allah dit dans le Coran, Afa hasibtum annama halakanakum abasa wa annakum ilayna la turjaoun. Vous croyez que je vous ai créé pour un jeu, pour amusement comme ça, pour jouer? Wa annakum ilayna la, vous n'allez plus revenir vers nous? Hein? Les ulama, ils ont mis à votre disposition tout. Il y a les jours de prêche, il y a les jours de séance d'apprendre. Mais maintenant, si tu, il y a des gens, quand tu vas lui dire, prions ensemble, bon, fais le ikam, il ne connaît même pas ce qu'on appelle le ikam. Il est là debout, troublé. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Donc, Allah dit, wa uhita bi samarihi, sa récolte fut détruite. Fa'asuba yukallibu kafay, il se mit à tordre les deux mains, alama amfaka fiha, à cause de ce qu'il avait dépensé. Cependant que ses traits étaient complètement ravagés.
ويقول يا ليتني it is malheur à moi لم أشرك بربي أحدا j'ai souhaité n'avoir associé personne à Allah ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله voilà Allah dit il n'a pas trouvé aucun clan pour le secourir hors de Dieu vous savez pourquoi Dieu dit ça parce que il avait dit à l'autre il avait dit à l'autre que moi je suis plus riche que toi et je suis plus puissant que toi. Tu as vu? Il avait dit les plus riches et plus puissants. Pourquoi il dit les plus riches et les plus puissants? Il dit les plus riches à cause de son champ, n'est-ce pas? Il est plus puissant, c'est à cause de son clan. Il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Bon, maintenant Allah dit, quand j'ai détruit sa richesse, je lui ai rendu pauvre. Sa famille qu'il avait, sur laquelle il tapait la poitrine, personne n'a pas pu venir à son secours. Mais où est maintenant leur puissance? C'est comme tu es en train de dire Marabout est fort, Marabout est fort, Marabout est fort. Bon, tu passes dans la chambre de Marabout, tu trouves Marabout dit « Oui, ma tête, oui, ma tête, mon Dieu, sauve-moi !» Bon, maintenant, au fur et à mesure, toi, tu es pourtant, tu es venu chez le marabout pour que le marabout te... Bon, marabout est en train de souffrir avec sa tête. Et oh, devant toi, comme ça, boum, il tombe, il meurt. Bon, maintenant, qui va te sauver maintenant? Hein? C'est pour cela, Allah dit dans la sourate Al-Ankabout, « Masalul lazine takhazu min douni Allahi awliya'a ka masalul ankabutu tahazzat bayta. » وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم Allah dit مَثَلُ الَّذِينَ تَحَزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا L'exemple de ceux qui prennent les protecteurs hors de Dieu. Leur exemple كَمَثَلُ الْأَنْكَبُوتِ Leur exemple est comparable à l'araignée تَحَزَّتْ بَيْتَ qui s'est donné une maison. Entre temps, la maison la plus faible dans la planète, c'est la maison de l'araignée si il le savait. Regarde l'araignée, la maison qu'elle a faite. Elle-même, l'araignée, la maison là, elle n'arrive pas à la protéger. Maintenant, si toi tu viens rentrer dedans, c'est toi que la maison va protéger. Ça veut dire quoi? Le marabout lui-même, il n'arrive pas à se protéger lui-même contre la puissance d'Allah. Bon, maintenant, c'est toi qu'il va protéger. Donc, ce qui veut dire que si tu pars chez le marabout, tu places ta confiance en lui. Toi, tu es dingue, tu es bête. Et lui, c'est un escroc. J'ai parlé à OCH, je le parle ici. Wallahi. J'ai dit, le frère là, mon frère, voilà mon frère, il était là-bas hier avec moi. J'ai dit ça là-bas. Si vous voulez, demandez-le, il va vous témoigner tous. J'ai dit, le maraboutage, c'est le faux truc plus faux égale faux. Et j'ai dit, si le maraboutage est vrai, nous, avec le Coran, on détruit le maraboutage. On dénigre ça. Dénigrer veut dire humilier. On les humilie. Et puis on les humilie où? Dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos cas, dans les mosquées, en plein public. C'est pas ça. Là où je presse dans ma chambre. Takbir. Il ne m'entend pas. Wallahi, il m'entend. Le marabout de Pointe-Noire, il m'entend. Mais oui. Mais nous avons dit, s'il nous entend, même s'il ne nous entend pas, leurs partisans font semblant de venir écouter les prêches et ils partent avec les rapports pour leur donner. C'est pas ça. Bon, nous leur disons que ce maraboutage-là, si c'est vrai, ils n'ont qu'à faire le maraboutage pour bloquer ma bouche. Depuis au Gabon, plus de 20 ans, j'ai chanté ça dans les mosquées. Jusqu'à présent, voilà moi avec toute forme. Je prêche, je mange bien, je dors bien, je m'habille bien. Quand j'ai porté ça, il ne faut pas dire que je n'ai pas les habits. Wallahi. Allah, wallahi l'azim. Jama'a takbir pour Allah. En le waqt, jazakallahu khair. Le frère m'a dit, il est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Vous voyez, quand on commence à prêcher seulement, c'est comme si c'est 5 minutes. C'est pas ça, papa. Bon, maintenant, c'est comme un pharaon dit ici le jour-là. Mais pourquoi, depuis que nous sommes là, pourquoi vous n'allez pas dire, bon, ça, dimanche, il n'y a pas de travail au Congo. C'est un pays laïque. On va venir s'asseoir bas de l'Asre, de Asre jusqu'à 18h pour écouter le Coran. Pourquoi vous ne faites pas ça?
Voilà, mon séjour est en train de mettre fin, hein. Des occasions en or comme ça. Ah, Allah, la ilaha illallah. Quel goût que l'homme. Ça, là, c'est le meilleur match plus que Madrid, Chelsea, que vous regardez, les Barcelone, quoi, là. Quand on écoute le Coran, le goût que. Moi-même qui parle, j'ai le goût. Je ne sais pas vers vous, hein. Tu as le goût, papa, mais tu n'as pas le goût. Hein? Takbir. Voilà, il m'a mis ça, lui fait rire. Ça dépasse les matchs du football de Zidane, là. Hein? Bon, Inch'Allah, peut-être même c'est mes derniers prêches, même ici, peut-être. Je ne sais pas. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك.